Maintenant, le procureur agité, parce que le CNR d'aujourd'hui, ils sont dos au mur. Les leaders politiques aujourd'hui, quand on dit leader politique, on parle des vrais partis politiques. Le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG ANAD, UFR et FNDC, les jeunes agités. Voilà. Donc ceux-ci disent, non, monsieur le bandit, monsieur le traître, là il m'a dit, que ton chronogramme là, toi tu ne peux pas venir nous dire ici que l'autre a fait troisième mandat. Et toi tu viens t'arrêter devant les Guinéens, que toi tu vas faire 4 ans, c'est toi qui peux arranger. Un, il est âgé que toi. Deux, il est intellectuel que toi. Trois, c'est le peuple qui l'a élu. Si vous pensez que les autres sont maudits là, on va accepter. Toi le bandit, toi le traître, tu viens t'asseoir parce que tu as les armes. Ah ouais, on verra. Sauf si l'armée, il n'y a pas d'armée guinéenne. Si c'est toi qui les as recrutés dans l'armée là, Inch'Allah, on verra les jours à venir. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas plus intelligent que tout le monde. Un traître ne va pas venir ici nous dicter. Oui, l'autre a fait troisième mandat. Un, il est intellectuel. Il a des relations. Ce qu'il a fait pour ce pays, tu ne l'arriveras même pas au chevet. Donc, chef bandit, tu te fatigues. Regarde aujourd'hui. Les médias, malgré qu'ils soient dans ta poche, mais personne ne te croit. Les activistes comme nous aujourd'hui, les influenceurs comme nous aujourd'hui, on est en train de les déstabiliser partout. Vos journalistes, là, on les déstabilise matin, midi, soir. Vous pensez que vous pouvez tromper le peuple? Vous pensez que vous pouvez tromper le peuple? Hein? Toi, quelqu'un ne t'a pas élu, tu as pris les armes, tu as tué des gens. Toi, tu vas venir, vous allez venir vous flanquer devant les gens, Konga et Ko, il faut auditer, on va assainir. Vous êtes propre, vous? Vous êtes propre? Donc, la famille, ils ont peur de l'union sacrée. Et c'est pourquoi j'ai dit à certains blogueurs, moi, Damaro, je ne m'associe pas avec n'importe qui. Depuis le 5 septembre, je ne parle plus de Seloudale. Je ne parle plus de l'UFDG. C'est quand il y a élection, ou soit on est au pouvoir, vous êtes opposé à nous, ou soit vous êtes au pouvoir, nous sommes opposés à vous, que je peux m'attaquer à vous. Mais actuellement, ce sont les bandits qui dirigent notre pays et nous devons tout faire pour faire partie de ces bandits-là pour le retour à l'ordre constitutionnel. S'il y a des gens qui n'ont pas compris, que ce soit du RPG Arc-en-Ciel, que ce soit de l'UFDG, c'est votre affaire. Moi, je vous ai dit, je fais la politique. Voilà. Doumbouya, c'est notre ennemi. Moi, je ne vois pas UFDG devant moi actuellement. C'est les bandits dont je vois devant moi actuellement. Comment faire partie les bandits, là? C'est mon souci actuellement. Donc, si vous dites, ah non, Charles Wright est venu pour dire, oui, les responsables du RPG, ceux, d'après eux-mêmes, d'ailleurs, ils n'ont pas de preuves, que ceux qui ont réprimé les manifestants, ils vont les juger, saisir leurs biens. Et après encore, il dit, ceux qui ont organisé ces manifestations, parce que c'est vos leaders que eux ils visent, c'est le FNDC que les gens la visent. Maintenant, vous avez vu, quand on vous parle, et quand on vous parlait ici, que ces gens-là, c'est des bandits, ils sont en train de nous distraire tous. Ils sont en train de nous distraire tous. Je vous ai dit cela maintes fois. Oyarabi, Bandina Nadjera et Mouama Sigafé. Bandina Nadjera. C'est-à-dire, ils sont en train de diriger ce pays-là. Comme une cour, quoi. Le chef bandit, il se croit tout permis. Doumbouya, le chef bandit, il se croit tout permis. C'est comme ça qu'on gère un pays. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on gère un pays? Regardez la manière. Regardez comment est notre pays aujourd'hui. C'est comme ça qu'on gère un pays. Et vous voulez qu'on replie, qu'on abandonne le combat. Nous n'allons pas abandonner ce combat-là. L'union sacrée, c'est en cours. C'est de ça qu'ils ont peur aujourd'hui. Quand on dit les Tola, les Djibril, hein, les Paikoussare, les masques, bon, je vais même pas, ceux qui ne veulent pas être dedans, ça c'est leur affaire. Voilà, moi j'ai dit à haut et fort, actuellement, je m'associe avec tous ces gens-là pour faire partie de Doumbouya. Ça ne veut pas dire qu'on va former un parti où nous serons avec l'UFDG. Non, on s'associe avec les autres pour faire partie les bandits, pour que l'armée républicaine,
assure la transition. Mais ce n'est pas Doumbouya. Je vous ai dit de mettre ça en tête. Laï Madi ne veut pas de CELU. Laï Madi ne veut pas de l'UFDG. Laï Madi ne veut pas du RPG. Laï Madi ne veut pas de quelqu'un à la tête du RPG. Laï Madi ne veut pas de UFEA. Laï Madi, il veut mettre quelqu'un qui va assurer. Je suis en direct. Laï Madi, il veut finir avec ces partis-là. Mettre l'un de ses protégés qui va assurer ses biens dans ce pays-là. C'est pourquoi le monsieur aujourd'hui, il ne veut même pas entendre parler des élections. Et c'est là-bas il a tapé poteau. Et c'est pourquoi je dis aux responsables de l'UFDG, aux responsables du RPG, aux responsables de UFEA, UFDG ANAD, RPG Arc-en-Ciel, de se donner la main, de conjuguer le même verbe, le retour à l'ordre constitutionnel. Un mouvement d'ensemble, un mouvement général pour faire partie de ces bandits-là, c'est la solution. Wallahi Doumbouya, s'il craint quelque chose aujourd'hui, si ce bandit-là craint quelque chose aujourd'hui, c'est un mouvement populaire. Nous devons tous se donner la main. Mettez les cœurs, partagez dans tous les groupes. Je vous ai dit, ils ont peur. Actuellement, ils ont peur. Ma page, actuellement, ils ont tout fait pour pouvoir fermer. Même mon compte en Soudamaro, je ne peux plus me connecter sur ça. Je ne sais pas quelle magie ils ont ou quel technicien ils ont, mais mon compte en Soudamaro, je n'arrive pas. Heureusement pour moi, j'ai assez de comptes attachés sur cette page. C'est ce qui me permet aujourd'hui de faire le direct. Je ne peux plus synchroniser avec mes autres pages. Je ne peux plus partager dans les groupes. Je ne peux que faire le direct comme ça. Donc quand je vous dis de partager dans tous les groupes, c'est pour aider aussi les autres à voir le direct. Sinon, quand je suis en direct, beaucoup ne voient pas. C'est quand je finis le direct, peut-être, ils ont la nostalgie d'écouter Damaro. Ils vont sur ma page pour écouter. Parce qu'ils ont peur. Les messages que nous véhiculons, ça les dérange. Les messages que nous véhiculons, ça les déstabilise. Et le combat, vous devez nous supporter. Vous devez nous supporter pour réveiller beaucoup de Guinéens. Parce que c'est de la manipulation avec les médias en place aujourd'hui. C'est de la manipulation. Benito aussi, là, il peut justifier cela sur sa page aussi. Parce que ils ont mis des moyens à la disposition des bandits, c'est-à-dire des ceux qui travaillent au niveau de l'informatique à Conakry pour envoyer des virus, pour réduire la couverture au niveau de Conakry, pour ne pas que les gens puissent voir nos vidéos. Mais ils ont tapé poteau, il y a WhatsApp, il y a YouTube aujourd'hui. On peut véhiculer nos messages à travers ces plateformes-là. Mais c'est grâce à vous, les cœurs et partages que vous faites pour nous, c'est ce qui nous aide à atteindre un grand nombre. Parce qu'ils ont peur aujourd'hui. L'union sacrée, et c'est la solution. L'union sacrée. J'ai dit aux gens, les gens du RPG, ceux qui n'ont pas compris le combat là, pour dire, ah non, on s'associe à l'UFDG. L'UFDG, c'est pas nos ennemis, c'est nos adversaires. Nous sommes tous des Guinéens. C'est ce que vous devez comprendre. Nous sommes tous des Guinéens. Nous ne sommes pas des ennemis. Voilà. Nous ne sommes pas des ennemis. Moi, je le dis haut et fort. Le RPGiste qui ne serait pas d'accord avec moi sur ce sujet, il peut se désabonner proprement. Il peut quitter. Le jour qu'il va me voir dans le combat 100% RPG, là, il peut venir. Mais si vous n'avez pas compris cela, vous continuez à nous critiquer. Non, vous vous associez. Ou les gens de l'UFDG, quand on fait un direct avec quelqu'un de leurs proches, non, tu t'associes avec Damaro, ça c'est votre affaire. Mais vous pouvez constater, depuis le 5, moi je n'ai plus le temps, je ne parle plus de CELU. Il y a d'autres, avant le 5 septembre, « Eh Damaro, si tu ne parles pas de tombeau, tu ne peux pas respirer. » Oui, il faut, c'est-à-dire, il faut avoir un objectif dans la vie, qu'est-ce que tu veux? Moi c'est ce que je vous ai dit. Et certains communicants de l'UFDG, ils n'ont pas compris cela. Seul le RPG ne peut pas gagner le combat. Seul l'UFDG, il ne peut pas gagner. Parce que quand ils vont commencer à s'attaquer à CELU et ses proches, les gens,
quelques éléments de RPG, ils vont venir applaudir pour Doumbouya. Nous, c'est ce qu'on empêche. Moi, c'est ce que j'empêche. Moi, j'essaie d'éduquer nos militants pour leur dire non, ne tombez pas dans ce piège-là. Quelqu'un qui a humilié le professeur Alpha Condé. Quelqu'un qui a humilié le professeur Alpha Condé. Quelqu'un qui est venu mettre le pays-là en retard. Quelqu'un qui n'a pas le niveau. Quelqu'un qui n'a pas le savoir-faire. Si ce n'est pas du banditisme, du sale boulot, prendre les armes, aller tuer des Guinéens pour dire qu'il veut, il fait partie le professeur Alpha Condé. Non. C'était mieux qu'il appelle des Guinéens à des manifestations contre le régime du professeur Alpha Condé. Je pouvais comprendre. Mais que de prendre les armes, aller tuer d'autres Guinéens pour atteindre son objectif. Il vous a menti, vous, qui avez applaudi pour lui hier. Non, il est venu pour la démocratie. Oui, les Guinéens ne se parlaient pas. Il y a eu le troisième mandat. Mais est-ce que ce qu'il a dit hier, est-ce que c'est ce que lui est en train de respecter aujourd'hui? Vous avez vu, on a appelé la manifestation la dernière fois. C'est parce que quelques jeunes, les vrais jeunes du RPG, ils se sont dit, nous seuls, on ne peut pas le faire. On doit faire un mouvement d'ensemble. Bambeto sort, l'autoroute sort, Matam, Kaloum, tout le monde, nous sortons au même moment. S'ils disent qu'ils ont des policiers là, on verra vraiment s'ils peuvent maintenir l'ordre ce jour-là. S'ils peuvent maintenir. Bambeto, tout le monde sort là-bas. Autoroute, les gens sortent au même moment. C'est pourquoi nous allons reprendre encore. Nous allons se donner la main. Nous allons appeler ensemble une manifestation générale. Même avec FNDC, ceux qui étaient opposés à nous, là, on le fait pour l'intérêt général, pour faire partie de ces bandits-là. Si nous n'avons pas de militaires patriotes, nous n'avons pas de militaires patriotes à la tête de ce pays, c'est fini. Actuellement, nous n'avons que les narcos autour de Doumbouya. Et je l'ai conseillé dès le départ. Moi, je ne fais pas que critiquer, mais plutôt je lui ai donné des conseils ici. Je lui ai dit, malgré il a fait le coup d'État, il a humilié le professeur Alpha Condé, il avait la chance de sortir par la grande porte, nous parler des élections, acceptées de tous, mais il n'a pas compris. Le monsieur veut se cancrer au pouvoir, il veut rester, il veut jouer avec l'intelligence des Guinéens, il veut profiter aujourd'hui de deux blocs, UFDG ANAD, du RPG Arc-en-Ciel, pour toujours rester. Mais ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Les communicants de l'UFDG commencent à comprendre cela. Bon, certains de notre côté qui disaient, non, Damaro, vous êtes vendu, vous êtes associé au RPG, tu n'attaques pas Selou Dalein. Vous avez tous même entendu Selou Dalein dire, mon grand frère Alpha Condé ne m'a pas humilié. Vous voulez que, qu'est-ce que moi je dise? De venir attaquer Selou. Dans quel intérêt? C'est Selou qui a Sékou Touré. C'est Selou qui a fait le coup d'État au professeur Alpha Condé. Car c'est Doumbouya qui a amené le professeur Alpha Condé à Bambeto. Faites la part des choses. Faites la part des choses. Ne tombez pas si bas. Quand je vois certains communicants vendus, certains communicants qui n'ont pas de dignité, qui disent qu'ils sont alphaïstes. Voilà. Souvent, il y a un petit clan de nos parents en forêt là. Eux, ils n'ont pas compris. Donc, j'appelle les Grecs là. C'est eux qui viennent mettre des conneries. J'ai bloqué un. Hervé là, lui, il est bloqué. Je vous ai dit, ne les répondez pas souvent. C'est pourquoi ils aiment signaler vos comptes. Ne les répondez pas. Laissez-moi le général les gérer. Je suis forestier comme eux. Voilà. Mais je sais comment les gérer ici, sur cette page. Ne les répondez même pas. S'ils mettent les bêtises là, ne les répondez pas. Donc, je disais, certains de nos communicants qui vont supporter Doumbouya, qui n'ont pas de conviction, ils le font juste pour leur intérêt personnel. Sinon, quelqu'un qui a humilié le professeur Alpha Condé, quelqu'un qui l'a humilié, vous ne pouvez pas, soit vous taisez, comme certains, mais venir s'asseoir devant encore les militants du RPG, même devant les militants de l'UFDG, pour dire cet homme-là est bien, cet homme-là est ceci. C'est que, moi je ne sais même pas c'est quoi, est-ce qu'ils ont vraiment leur dignité? Hein? Quelqu'un qui a humilié son bienfaiteur, quelqu'un qui a tué nos frères, quand je pense au Seydo, les Antoine, ces gardes présidentiels, que Doumbouya s'est levé un dimanche des Guinéens, à cause de son intérêt personnel. Je vous avais dit c'était à cause de son intérêt personnel. Ce n'était pas pour l'intérêt général. Si c'était l'intérêt général, il allait aujourd'hui donner la chance au RPG, Arc-en-Ciel,
La chance. Alors, mieux direct là. La chance au RPG, la chance à l'UFDG, la chance à l'UFR, c'est-à-dire pour un dialogue exclusif où tous les Guinéens peuvent se parler. Mais le bandit le traite dans son agenda, c'est d'étouffer l'UFDG en aide, d'étouffer le RPG, d'étouffer UFR et d'imposer. Vous avez vu sa déclaration d'aujourd'hui? Il dit, souvent, c'est nos presses là qui aiment tout le temps. Bon, on nous dit que la Grande-Bretagne, l'Union européenne, l'ONU, l'Union européenne et la Grande-Bretagne demandent au CNRD très rapidement la préparation des élections. Mais ils sont aveugles à cela, ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas. Et parce qu'ils sont encouragés par les démagogues, comme les dansales. Regardez. Qui dit, les autorités de la transition font mieux que le régime de Postal Fakonde. Vous voyez des vendus comme ça. Je comprends maintenant pourquoi les militants de l'UFDG ont dit à ce, ils étaient dessus de la nomination de ce gars-là. C'est maintenant que je comprends pourquoi l'UFDG, le divorce, a commencé par la nomination de ce démagogue. Par la nomination de ce démagogue que vous voyez là, en lunettes. Si ce n'est pas le régime de Doumbouya, est-ce que des gens comme ça peuvent être co-présidents de la, c'est-à-dire CNT qui représente l'Assemblée? Des gens comme ce gars-là, des démagogues finis comme ça-là. Est-ce que normalement, ce démagogue mérite d'être le président du CNT? C'est lui qui dit aujourd'hui, malgré ces bandits-là qui ont tué des Guinéens, malgré ces bandits qui sont venus gâter la justice, nommer des gens comme les Charles Wright. Ils font ce qu'ils veulent. Lui, au lieu de conseiller ces bandits-là, pour appeler tout le monde, tous les partis politiques, pour une transition apaisée, mais juste pour se faire plaire à ces bandits-là, il est là à dire que le chef bandit a mieux fait que le Postal Fakonde. Mais c'est grave. C'est grave, c'est dommage. Je pensais que le gars-là, il était intelligent. Mais, dommage, hein. Dommage, c'est seulement le régime de l'AI m'a dit qu'on peut voir ces personnes pareilles. Et vous voyez le journaliste, là, l'autre, Mandia aussi Sidibé. Vous voyez la démagogie. C'est-à-dire, ils n'ont même pas honte. Eux, ils ont oublié qu'ils étaient là à critiquer le procès Alpha Condé. Il n'y a pas si longtemps, les Mandians, là, aujourd'hui. C'est eux qui font la démagogie aujourd'hui. Ils ont fermé leur gueule. Personne ne parle. Ces journalistes-là, à cause d'argent, ils sont dans le bureau. On leur donne de l'argent. Sinon, quand on parle d'auditer les autres-là, ils n'ont qu'à tous venir se flanquer, ces journalistes-là. On va les auditer. Leur salaire, combien ils gagnent par mois? Ils ont quel business? Vous allez voir les habits qu'ils achètent, ce qu'ils mangent. Vous allez comparer tout. Vous allez comprendre que c'est des bandits, c'est des influenceurs. On leur donne de l'argent. Vous avez, je crois qu'il y a un directeur qu'on vient de limoger pour détournement. Tout ça, c'est l'influence des journalistes. Tout ça, c'est l'influence des journalistes. C'est-à-dire, quelqu'un vient leur donner de l'argent, ils veulent le poste du directeur. Sinon, c'est Doumbouya qui a nommé. Hein. C'est pas un ancien directeur. Doumbouya a presque enlevé tous les directeurs du gouvernement Alpha Condé. Il les a tous enlevés. Maintenant, les gens qu'il a nommés là, comme c'est des journalistes bavards, surtout Bar Café de Guirassy, on leur donne de l'argent, on leur donne de l'argent, ils viennent dire le nom de la personne. Ils ne travaillent pas dans le département. Ils ne sont pas, ils ne travaillent pas aux ressources humaines. Ils ne connaissent rien du tout, mais on leur donne de l'argent. Ils viennent s'asseoir pour critiquer les gens, pour les faire perdre leur poste. Des démagogues comme ça, juste pour de l'argent. Quelqu'un vient, on leur donne 5 millions, 10 millions, c'est fini. Quand ils commencent leur débat bar café là, ah telle personne, j'aurais appris. Même hier à recadrer aujourd'hui Antoine. On dit quelqu'un a accusé, mais tu viens, tu parles comme si tu avais des preuves. Des démagogues comme ça. Est-ce que ce pays-là peut aller avec ces gens-là? Est-ce que la Guinée peut avancer avec ces démagogues des journalistes?
Bon. Troisièmement, le putschiste Doumbouya, pour vous dire que de la manière, il n'a pas hésité à prendre les armes pour aller attaquer le professeur Alpha Condé, pour tuer des Guinéens. Et c'est comme ça qu'il veut garder son pouvoir. Que le chronogramme proposé sera soumis au CNT. Là, il m'a dit, n'attends pas reculer sur la durée de la transition. Moi, je vous ai dit ici, les Selous, les Sidia, c'est parce que vous avez tous légitimé le pouvoir de ce bandit-là, de ce traître, qu'il se croit fort. C'est parce que vous avez dansé avec ce bandit-là, qui se croit le roi, il pense que c'est un royaume. Il a oublié que la démocratie, c'est le choix de la majorité. Il a oublié que, en Guinée, que le président doit être élu. Ce bandit-là se croit légitime. Tant que ce peuple-là encore ne sort pas pour dire à ce bandit-là, à ce traître qui n'est pas légitime, il ne va pas arrêter. Il ne va pas arrêter les agitations. Ces agitations-là avec son procureur. D'ailleurs même, je vais demander aux autres juges de la Guinée, j'aimerais voir vraiment l'extrait de naissance de ce gars-là, Koshal Wright. Parce que l'histoire, depuis que moi, je suis en Guinée, je n'ai pas entendu un nom Wright dans les familles. Je connais Diallo, Ba, Barisso, Camara, Touré, Balde, Bangoura. En tout cas, ces noms-là, ces noms de famille-là, je connais ça, Loa, Kogomu, Foromo, tout ça là, nous connaissons ce nom là. Mais le nom Charles Wright là, si vous voyez que le gars là, il est en train de faire de n'importe quoi, c'est parce qu'il n'est pas guinéen. C'est parce qu'il n'est pas un pur guinéen. S'il est en train de semer le désordre là, c'est-à-dire il se lève, tout est permis pour lui. Il faudrait que ce gars là, je veux voir son extrait de naissance, je veux voir en tout cas l'historique ses parents, si Charles Wright. Et ils ont demandé ça à Obama ici. Moi, je veux vraiment qu'on vérifie d'abord. Lui, avant de auditer sur les autres, on doit auditer d'abord sur la nationalité de Charles Wright. Parce que nous, franchement, en Guinée, on ne connaît pas de Wright. Ça, on ne connaît même pas de Wright. On doit vraiment auditer sur lui aussi. Les autres avocats, là, ouvrez des dossiers sur ce gars-là. Parce que Doumbouya ne peut pas venir nommer, donner des postes de responsabilité à quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Vous avez vu quelle famille? Moi, c'est la première fois de voir un Wright comme ça. On connaît les Touré, les Kourouma. Lui, là, il m'a dit, Doumbouya, on peut comprendre. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Voilà. On doit vraiment savoir. Le Wright, là, on veut savoir. Les autres, on sait qu'il y a d'autres noms. Que c'était un bagarre. Non. On doit vérifier pour lui. On doit vérifier pour le gars, là. Non. Son nom de famille, là, c'est à vérifier. Lui, son nom de famille, c'est à vérifier. Voilà. Pour dire qu'il est bagarre, là. On connaît les bagarres, les vrais bagarres, leur nom, là. On connaît. Lui, là, on doit comprendre. Il faut qu'on vérifie ça. Il faut qu'on vérifie très bien dans son dossier. Même son visage, là, ça ne montre pas qu'il est un vrai Guinéen. On doit regarder très bien son visage. Attendez. Je crois que j'ai sa photo. Le gars, il commence à énerver les gens. Un vendu comme ça, il va venir s'asseoir devant nous, que c'est lui, il va auditer quelqu'un. D'ailleurs, même, ton nom, c'est pas clair même. Que Charles Wright. Bascott, Mbangoura et Colo, Souma et Colo. Même Justin Morel, lui, il est connu. Mais pour lui, là, Wright, là, Makolé, tout ça, c'est connu. Mais pour lui, là, c'est la première fois, le seul nom. Seul nom que moi j'ai connu, Wright, c'est lui, en Guinée. Tous les autres là, ils sont américains, ils sont libériens. Mais pour lui là, on doit vérifier. Heureusement même ça, sa photo n'est pas dans... Regardez. Son visage là, ça ressemble à qui en Guinée? Visage pareil là. Ça là, quand vous regardez visage là, ça ressemble à visage de quel Guinéen? Moi on peut me dire que je ressemble à un Peul. Hein? Moi on peut me dire que je ressemble à un Diallo. Mais lui, là, il ressemble à qui? Regardez-le très bien. Regardez. Non, dites-nous la vérité. Il est trop agité, ce gars-là. Hein?
Le gars, non, franchement, moi, je veux, c'est-à-dire, Donald Trump a demandé l'extrait de naissance de Donald Trump ici. Moi, je veux demander l'extrait de naissance de ce Charles Wright-là. Il y a de ses postes. Non, on doit demander. Ibrahima Fox, on doit vous demander. Si toi aussi tu es guinéen, moi en tout cas, je veux savoir. Ah, toi qui dis que l'extrait de naissance d'Alpha Condé, Condé là, Condé, il n'y a pas Condé au Burkina. Donc tu es en train de te fatiguer. Toi-même tu dis Alpha Condé, il n'y a pas Condé au Burkina. Il n'y a pas Condé au Burkina. Si c'est toi qui veux maintenant, même moi, tu peux me dire je suis américain. Si tu veux, il y a d'autres même qui disent que je suis ivoirien. Hein? Donc, Charles Wright, là, on doit vérifier. Voilà, il y a quelqu'un qui dit qu'il est congolais. Peut-être qu'on va aller vérifier au Congo. Mais en tout cas, on va choisir les pays où les rois se trouvent. Pas en Guinée quand même. Il y a un qui dit qu'il est portugais. On dit qu'il est portugais. Donc, la famille, franchement, le gars, il est en train d'emmerder les gens. Le gars, il est agité. C'est pourquoi je le dis, procureur biberon. Il est agité. Moi, je vous avais dit ici, depuis sa nomination, j'ai dit, il est venu pour faire le sale boulot de l'autre. Il dit, on va faire le sale boulot. Et le gars, il est agité. Il met sa bouche dans tout. Konga Yeko, ceux qui ont, c'est-à-dire, les morts des manifestations et ceux qui ont organisé. Tu penses que tu es intelligent? Tu penses que tu es intelligent, Charles Wright? Il n'y a pas plus bête que toi. Wallah, il n'y a pas plus bête que toi. Mais tu vas comprendre. Tu vas aller avec ces poutistes-là. Le jour que Doumbouya va partir, là, il faut plier tes bagages, tu vas aller ce jour-là. Le jour que Doumbouya va partir, il faut plier tes bagages, tu vas aller avec lui. Sinon, Wright, là, c'est anglais, c'est anglophone, c'est pas francophone. Hein? Charles Wright, là, c'est pas chez nous. Hein? Mets ça en tête. Ou si tu as demandé la nationalité, on veut voir les documents. Comment tu as obtenu ça? Sinon, tu n'es pas guinéen. Ça, je te le dis. Voilà, non, ma collègue, on a vu les noms là, mais pour lui là, non, pour lui c'est bizarre, il y a longtemps les Morel, mais pour lui c'est bizarre, on doit vérifier pour lui là, le gars là, voilà, il y a d'autres qui disent qu'il vient de Ghana, on doit vérifier son dossier maintenant, comme lui il est en train de auditer sur le dossier des autres, lui aussi on doit auditer pour lui. En tout cas, c'est un nom anglais, c'est pas francophone. La Guinée est un pays francophone. En tout cas, ce qui reste clair, c'est nos leaders qui ont occasionné ces bandits-là. Il faudrait que nos leaders encore se ressaisissent. Sidi Touré, Selou Dalin, comme vous êtes à l'étranger actuellement, pardonnez, restez là-bas. Parce que Selou, tu rentres, ils vont te prendre. Ça va affaiblir le mouvement encore. Ça va affaiblir le mouvement. Sidia, comme vous avez compris maintenant, que Dia, c'était Alpha qui était votre ami. Dia, c'est Alpha qui était votre grand frère. Vous avez compris maintenant, vous avez combattu Alpha. Vous avez dit qu'il n'était pas parfait. Vous avez compris maintenant qu'avec le bandit, là, il ne vous écoute même pas. Depuis que le bandit est venu, il ne vous a pas donné audience. Toi, Sidia, tu as eu la chance. Il t'a nommé haut représentant de l'État. Quand on sait l'eau, chef de file de l'opposition, le titre honorifique là, c'est grâce au professeur Alpha Condé avec un budget. Mais vous avez dit que non, Corona n'est pas bon. Mais vous avez vu maintenant le lion blessé, le traître, le bandit maintenant. Ça dit aucun respect à votre égard. Aucun respect. C'est-à-dire de la manière que il est venu, c'est comme ça il veut gouverner. Intimider les gens. Mais ça ne marchera pas. Hein. Ça ne marchera pas. Donc, c'est le bon moment de vous attendre avec tous les autres là. Les autres, les Makale ou bien je ne sais pas, Baouri ou autres là. Toutes ces personnes là, vous savez, ils n'ont même pas 100 personnes, 200 personnes derrière eux. Donc nous, on les écoute même pas. Ce qu'on vous demande, c'est de vous mettre d'accord. D'appeler tout le monde avec le FNDC, tout le monde, pour dire à ce bandit là qu'on ne veut pas une transition qui va dépasser les 15 mois. Et d'ailleurs même, nous allons compter les 8 mois dans les 15 mois. Les 8 mois dans les 15 mois. Les 8 mois là, dans 15 mois là, nous allons faire 15 moins 8. Si on continue dans ça, on va faire 15 moins 9. Mais ces bandits là ne vont pas venir nous demander un mandat. Et tandis que eux,
Ils ont dit que le procès, c'est à cause du troisième mandat. Sinon, aujourd'hui, eux, ils vont se vanter sur le chantier de Bambeto. Qui a eu le financement? La route nationale. Qui a eu le financement? L'interconnexion. Qui a obtenu le projet? Les barrages, là, qu'à l'État soit petit, qui l'a eu? Guichet unique aujourd'hui dans l'administration. Fibre optique. Tout ça, là, les réformes, là, c'est qui? C'est le FAMA. Donc, ces bandits, là, ne peuvent rien nous apporter. C'est surtout des gens qui sont autour de lui, des narcos que Dadis a chassés. Tous ces narcos-là, aujourd'hui, sont autour de lui. Une honte pour notre pays. Une honte pour notre pays. Des narcos qui sont à visage découvert aujourd'hui à la présidence. Donc, nous devons nous lever tous pour faire partie de ces bandits-là. Nous devons nous lever tous. C'est ce qu'on vous demande. Mais si vous êtes là, ah non, les anciens, c'est eux, ils nous ont fait ça. Quand on aura un pouvoir civil, nous allons tous mener ce combat-là pour une justice de tous. C'est-à-dire de 58 jusqu'à nos jours. Si on doit dédommager les familles, nous allons dédommager. J'ai dit ça aux bandits là, ils n'ont pas compris. Je les ai dit, les bandits là, je les ai conseillés, ils n'ont pas compris. Je les ai conseillés ici. Si vous voulez que ce pays là aille, de 58 à nos jours, le 5 septembre, prenez tous ces victimes là. 28 septembre, tout. Qu'on dise, oui, il y a eu victime au temps d'Alpha. Tout le monde, dédommagez-les. On fait comme l'Afrique du Sud. On tourne. On fait comme le Rwanda. Qu'on aille de l'avant, qu'on se pardonne. On met une justice solide en place. Mais les bandits n'ont pas compris. Ils ont cru qu'ils sont intelligents. C'est Charles Wright qui est en train de faire leur sale boulot. On dit, oh, les victimes, ceux qui ont créé ces victimes-là. Oh, ceux qui ont organisé. C'est-à-dire pour distraire tout le monde. Pour distraire l'UFDG et FNDC. Pour distraire le RPG. Pour casser l'élan de tout le monde. Ces bandits-là, c'est ça. Et eux, ils pensent que non, le pays-là, ça les appartient. C'est un petit groupe. Doumbouya est 400 personnes. Wallah, l'armée guinéenne n'est pas avec Doumbouya. Je vous jure, si vous causez, la manière dont je cause avec l'armée guinéenne, si vous causez avec eux, les camps, on va même commencer le mouvement là maintenant. Les républicains là, ils vont finir avec ces bandits là. Et vous allez même voir les petits derrière Doumbouya. Wallah, les petits là vont dire, hey, grand, Abara Lamoubé, on ne va pas tirer sur la population. Je vous jure, on se met tous ensemble. C'est-à-dire, on descend dans les rues. Billah et ces bandits là vont partir. C'est pourquoi ils ont peur aujourd'hui. Ils donnent de l'argent pour casser notre élan. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous demande. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble pour faire partie. Toi qui dis, voici un ici, Koselou, Kangaziso, que le RPG est tombé. Mon frère, on sait que le RPG est tombé le 5. Où est l'UFDG? Quand toi tu dis que le RPG est tombé, où est l'UFDG aujourd'hui? Nous, nos leaders là, ils n'ont pas rasé leur maison. Ils ont rasé la maison de Selou. Donc, c'est pour te dire que si on continue dans ça là, quand toi tu dis le RPG est mort, oui, on sait, le RPG est tombé le 5. Mais le RPG, le parti reste là. Les militants sont là. Et même Koro même, le traitement que le Koro a, Koto Selou n'a pas ça. Nous, notre souci aujourd'hui, c'est quoi? C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Des personnes limitées comme vous là, c'est vous qui faites que ces bandits-là vont rester aussi longtemps. Et le peuple est en train de souffrir. C'est vous qui avez dit si vous êtes battu hein, pour la démocratie. Voilà. Bon, attendez, ce malhonnête-là, je vais le bloquer. D'ailleurs, même, ils vont prendre des noms de gens qui ne les ressemblent même pas. Quand vous cliquez là-dessus, vous allez trouver que c'est des gens, c'est pas leur nom de famille. Vous allez cliquer, c'est des comptes qu'ils viennent de créer maintenant. Donc ces gens-là, je ne perds même pas mon temps avec eux. Ensemble, l'union sacrée pour faire partie de ces bandits-là. C'est ça l'essentiel. C'est ce qu'on vous demande. Partagez dans tous les groupes les messages. Et dans ces deux jours, nous allons commencer encore les débats de l'union sacrée avec tous les communicants pour appeler à une grande mobilisation. À une grande mobilisation sur l'étendue du territoire pour le départ de ces bandits-là. Vous avez vu, dès le départ, je n'ai jamais appelé ces gens-là bandits. Mais je les ai donné du temps, je les ai observés, j'ai compris que ces bandits-là, ils ne vont jamais changer. Et je vous avais parlé déjà de leur programme, tout ce qui se passe là. J'ai cru que les critiques que nous faisons, ça allait les faire changer d'avis, ça allait les mettre sur la bonne voie. Mais la solution, c'est de les combattre. La solution, c'est de les combattre. Celui qui règne par les armes, il périra par les armes. Ce qui fera partie d'Oumbouya,
Seules les armes qui feront partie de Mbuya. Parce qu'il est venu par les armes, il n'est pas venu par les urnes, il n'est pas venu par la population pour dire la population est sortie. Non. Seules les armes, et c'est ça, c'est le soldat patriote. Et cette remarque, vous avez tous vu, le 5 septembre, ce n'était pas l'armée. Tous les militaires étaient dans les camps. Par la complicité du traître Namori, le chef d'état-major, qui a dissuadé, sinon Bata est sorti. Ils ont maté les forces spéciales. Il y a eu beaucoup de morts parmi eux. Beaucoup de morts, je vous dis. Beaucoup de morts parmi les forces spéciales. Mais ils ont caché tous ces corps parce que c'était énorme. Doumbouya a perdu beaucoup de soldats le 5 septembre. Même la garde présidentielle, ils n'ont pas eu assez de morts comme Doumbouya. C'est Namori qui l'a aidé. Namori qui l'a aidé. Namori qui était le chef d'état-major qui donnait les ordres, qui a aidé Doumbouya, qui a dissuadé les autres. Si vous voyez aujourd'hui, il veut prendre un décret pour dissoudre Bata parce qu'il a toujours peur de ces gens-là, malgré qu'il les a démembrés, malgré qu'il a démembré Kindia. C'est pourquoi le bandit ne veut pas partir. Il est en train aujourd'hui d'humilier nos élites militaires, d'humilier nos élites politiques là aujourd'hui dans notre pays. Il faut qu'on se donne la main pour faire partie de ces bandits-là. Moi, j'ai déjà compris. Je ne cherche même plus porte d'entente ou bien porte de sortie avec ces bandits-là. Je ne veux même pas chercher à comprendre ça maintenant. Ça, c'est fini. Je ne veux plus négocier avec ces gens-là. Moi, j'avais déjà dit leur idée ici. Dès le départ, ils m'ont parlé. Mais j'ai dit, vous ne pouvez pas écarter le RPG arc-en-ciel. Vous ne pouvez pas écarter l'UFDG. Vous ne pouvez pas écarter UFR. J'ai causé avec les gens du CNRD. Ils ont cru que moi, je suis comme les Madik et autres là. C'est-à-dire, l'argent, quand on me parle, je vais venir vite tomber dans leur piège. Non. Je les ai dit, vous pouvez faire vos transitions. 3 ans, il n'y a pas de problème. Mais parlez des élections. Vous voulez parler de réconciliation, appelez tout le monde. Je les ai dit, ils n'ont pas compris. Allez-y, écoutez mes vidéos. On les a conseillés fatigués, ils n'ont pas compris. Si vous voyez maintenant que je les appelle des vrais bandits là, c'est à cause de ça. J'ai compris qu'ils ne veulent pas du tout. Ils veulent aller au bout. Et nous maintenant, il faut qu'on se mette devant leur chemin. C'est-à-dire pour empêcher cela. Et Inch'Allah, nous allons gagner ce combat. Le peuple nous écoute. Les médias vendus là aujourd'hui, là, personne. Regardez aujourd'hui. Vous partez à Conakry. Quand ils viennent, ils mettent leurs mensonges là. Les gens vont dire, ah tiens, nous on n'a pas écouté le général. On n'a pas écouté Benito. Ou on n'a pas écouté les Tola ou les Paikoussare. C'est comme ça aujourd'hui, en Guinée. Regardez la RTG. Dès les premiers jours du coup d'État, les deux premiers mois, RTG là, c'était 1500, 2000 personnes qui regardaient sur les réseaux sociaux. Mais allez-y regarder aujourd'hui, s'ils font 500 même. Avec RPG, c'est-à-dire le RPG au pouvoir, on montait même jusqu'à dans les 1000. Mais après le coup d'État, c'était 1000 et quelques. La RTG. Mais allez-y, regardez quand ils font leur journal aujourd'hui. Qui écoute? Ça dit tout le monde est déçu. On voit que ces médias-là, personne n'ose dire la vérité à ces bandits-là. Personne. Mais regardez les blogueurs. Malgré que ma page est restreinte actuellement, mais regardez le nombre. Vous allez regarder les médias aujourd'hui. Il y a une très grande différence. Les gens ont soif de nous écouter que d'écouter ces menteurs-là. Les gens ont soif de nous écouter que d'aller écouter ces manipulateurs-là. C'est une honte de voir Moussa Moïse. C'est une honte de voir Mandiang qui criait hier, qui trompait les gens. C'est une honte de voir les Youssouf Gundou. Ces journalistes-là, aujourd'hui, c'est une honte de les regarder aujourd'hui. Donc les gens ne perdent pas leur temps de regarder. Voilà. Nous qui prenons, qui donnons les informations à travers... Ceux qui sont dans le gouvernement, qui sont dessus de ces gens, regardez les conditions de vie des travailleurs aujourd'hui. Les gens ont peur de parler. Même quand ils appellent les journalistes, là, ils veulent pas. Quand ils les appellent, il y a ça, personne ne parle. Personne. Vous avez vu même la manifestation. Les médias, là, ils ont été tous payés de ne pas parler. Mais grâce aux réseaux sociaux, le climat, c'est-à-dire les gens ont tous compris. Donc, c'est un peu cela, la famille. Donc, le combat continue. Pas de recul. Pas de recul.
les gens de l'UFDG, de UFER, le FNDC, du RPG Arc-en-Ciel, donnons-nous la main pour le départ de ces bandits. Et comme je vous l'ai dit, les soldats patriotes, ils attendent un grand mouvement pour déclencher le départ de ces bandits-là. Et je vous ai dit, c'est très simple. Doumbouya, il n'a pas été élu par ces gens. Les militaires, là, je vous ai dit, organisez-vous. Organisez-vous. Les soldats, là, les jeunes soldats, là. On vous envoie à l'intérieur, là. Organisez-vous. Même de là-bas, hey, vous n'allez pas mourir de faim. Vous pouvez décider. Doumbouya n'est pas le président. Entre vous, là, si vous êtes nombreux, là, wallah, il va partir. Vous allez le faire partir. Vous aurez le soutien du peuple. Vous aurez le soutien de la communauté internationale. Organisez-vous entre vous là-bas. Il n'a pas été élu. Vous décidez aussi, ce n'est pas lui le président. Vous choisissez quelqu'un là-bas que le peuple va accompagner. La personne, lui, il fait des déclarations pour dire qu'il va organiser des élections dans un délai bref, dans l'intérêt supérieur de la nation. Que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de retirer les maisons des gens, de mettre fin à cela. Faites-le, organisez-vous. Je vous jure, le gars, il va partir. Il n'est pas plus béni que quelqu'un. Même si on coupe, vous restez, vous remontez de l'intérieur. Tous les hommes forts, beaucoup, sont à l'intérieur aujourd'hui. Organisez-vous. Organisez-vous. Lui n'a pas écouté sa hiérarchie. Hein. Est-ce qu'il a écouté les généraux? Est-ce qu'il a écouté les généraux? Il n'est pas venu mettre ses généraux. Organisez-vous à l'intérieur du pays. Décidez que Doumbouya, il n'est pas votre président. Vous aurez le soutien du peuple. Le jour que vous allez déclencher le mouvement, vous allez voir le peuple de Guinée vous accompagner. C'est des bandits. C'est des bandits. Le pays est dans la main des bandits. Vous devez vous organiser. Vous devez désobéir à ces bandits-là. C'est le moment de vous concerter. Les camps-là, vous décidez ensemble pour dire ce qui se passe, trop c'est trop. Ils sont en train de faire souffrir la population. Je vais revenir le soir sur ça. Ce soir, je vais revenir sur ça. Comment vous devez vous organiser, le peuple va vous accompagner dans ce mouvement. Et la communauté internationale, ils vont vous accompagner. Est-ce que le professeur Alpha Condé a démissionné? Il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné. Le bandit, il ne fait qu'imposer l'influence. Vous l'avez vu à la mosquée? Ces gars qu'il paye 2 millions chaque semaine. Chaque semaine. Les gars qui sont derrière lui, là, chaque semaine, 2 millions. 2 millions de francs guinéens. Les autres militaires gagnent combien? Même les 2 millions, eux ne gagnent pas par mois. Même 1 500 000, les autres là ne gagnent pas. Ceux qui sont sous le soleil là. Mais ceux qui sont derrière lui, chaque semaine, 2 millions, ce qu'il donne. C'est-à-dire, il le fait pour son intérêt. Les autres là, non.